accueil chaleureux malgré une pluie incessante. Clémence et sa roulotte sillonnent le Grand Ouest depuis 79 jours et font étape à Bois d'Arcy jusqu'à mercredi soir, un voyage sur le thème de l'aviation. Pour fédérer les enfants autour de l'amour de lire et d'écrire et de les inviter à voyager à travers l'histoire, la géographie et puis un siècle de progrès. Donc le meilleur moyen, c'est de les impliquer à un voyage et un voyage qu'ils découvrent par différents moyens, notamment un blog et par des écritures auxquelles ils sont invités à participer. Aujourd'hui, trois classes rencontrent Clémence et son univers magique devant la grange de la Tremblée. Et puis derrière, j'aimerais bien faire une aventure comme Clémence, où elle voyage sur les petites routes avec des chevaux. Dans la caverne d'Ali Baba, des poèmes, des dessins, des photos de grands aviateurs, des ouvrages de référence, et surtout, le grand livre du voyage et la malle au trésor. Ah, tous les trésors. Chacun a pu y déposer une enveloppe contenant son rêve. C'est de marcher sur les nuages. Mercredi soir, Clémence et ses trois juments quitteront Bois d'Arcy, le fief de l'aviateur Alberto Santos Dumont, direction Saint-Cyr-l'École, Buc, Orly, pour terminer l'épopée de 180 jours au Bourget.